Oui, effectivement, je viens d'être reçu par le directeur général de la FAO avec une importante délégation comprenant entre autres notre ambassadeur en Italie. Cette rencontre nous a permis de remercier la FAO d'avoir bien voulu choisir notre pays suite à un processus compétitif très transparent. Et je crois que ceci confirme la crédibilité, mais aussi la visibilité internationale du Sénégal. Le président de la République s'en est fortement réjoui et a donné des dispositions pour que nous engagions dès à présent les négociations afin d'installer dans d'excellentes conditions ce bureau pour qu'il soit opérationnel et puisse assurer une bonne couverture géographique des pays concernés. Nous avons donc convenu avec la FAO d'accélérer le processus pour que nous puissions avoir un bureau opérationnel avant la fin de l'année. Nous pensons que c'est tout à fait possible. En tout cas, le gouvernement du Sénégal a réaffirmé par ma voix son engagement à matérialiser les éléments contenus dans notre proposition relative à ce bureau régional. Nous avons aussi discuté avec le directeur général de la FAO de la possibilité d'organiser le 40e anniversaire du premier accord de siège signé entre la FAO et le Sénégal, parce que le premier accord a été signé en avril 1977. Nous sommes à 2017, ça fait 40 ans. Bon, peut-être qu'on va faire coïncider cet anniversaire avec l'ouverture du bureau régional. De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que la coopération entre le Sénégal et la FAO se porte à merveille. Nous avons une volonté partagée de consolidation et d'élargissement de cette coopération et nous sommes convaincus qu'avec ce bureau régional, la FAO pourra être beaucoup plus forte au Sénégal, mais aussi dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, car comme vous le savez, le directeur général a opté pour une décentralisation. Cela suppose des bureaux nationaux et des bureaux sous-régionaux très forts, et le Sénégal appuie fortement cette volonté du directeur général de la FAO. Réitérer nos remerciements à la FAO et féliciter aussi le nouveau directeur général adjoint chargé des opérations. Nous l'avons déjà félicité, nous le réitérons ici et nous ferons tout pour qu'en rapport avec notre ambassadeur, qu'on puisse mieux huiler les choses dans le sens bien compris des intérêts partagés entre la FAO et le Sénégal.